Originaire de Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre, âgé de 29 ans, il fait de la musique depuis son adolescence. Tiyout a commencé à publier à partir de 2005 et a pu participer à des podiums de fêtes communales ainsi que de quartiers dans cette même époque. Son style, trap, dancehall, rap français, s'adapte à tous les styles selon la vibes de l'instru. Engagé, conscient et parfois sombre, ses influences sont les artistes de la Guadeloupe et des États-Unis. Tiyout est authentique et très écouté par la nouvelle génération. Sans plus tarder, nous partons le rejoindre en interview à l'Auberge de la Vieille Tour au Gosier. Là, je suis en présence de Tiyout. Bonsoir Tiyout. Bonsoir. Alors dis-moi Tiyout, qu'est-ce que tu nous prépares pour les vacances? Je prépare beaucoup de choses, beaucoup de surprises. En attendant, j'ai un petit single qui tourne sur les réseaux, sur toutes les plateformes. Mais sinon, je prépare beaucoup de choses. Alors dis-moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps que tu chantes? Ça fait très longtemps. Depuis le très jeune âge, hein. On va dire à l'âge de 9-10 ans. Depuis à l'âge de 9-10 ans. Ça fait combien de temps que tu es avec OSF et qu'est-ce qui t'a donné envie de te rapprocher d'elle pour ta musique? Non, ça fait un an. Oui. Alors maintenant ça va mieux? Oui, très bien. Ça va très bien. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a un feat en préparation justement avec, avec tous les artistes hein, de OSF, comme vous êtes ensemble souvent, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Il y a beaucoup de choses qui se préparent, mais ce sont des surprises. Ah, on reste dans les surprises encore. Eh ben moi, Tiyout, il faut savoir que tu es dans la playlist de mon fils. Je t'entends assez souvent à la maison. Et je pense que tu vas nous lâcher une petite dédicace pour Steven tout à l'heure avant de partir. Sans souci. Alors dis-moi, quel est ton style musical? Trap musique, dancehall, c'est varié, un peu de tout, hein. Trap soul, un peu de tout. Hein. Alors est-ce que tu, demain, tu as envie d'aller faire une scène dans la Caraïbe? Comment tu vois ta musique à l'exportation, même dans la Caraïbe et à l'international? Ben, un peu partout, hein. Le seul problème c'est que je parle pas l'anglais bien couramment, et j'aurais aimé. On va s'y mettre? C'est vrai, on va s'y mettre, c'est pour ça que je m'exprime en français dans mes sons, pour essayer de toucher d'autres publics, et si je pouvais toucher un peu partout, ça aurait été super. Bah alors les organisateurs, hein, vous avez entendu, hein, n'hésitez pas à appeler Tiyout. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien nous lâcher un petit acapella pour Caribbean Pulse? Un petit acapella. Je lui parle de mes billets mauves. Elle me parle de sentiments et de l'eau. Elle craint trop que je me sauve. Me prend la tête en devenir chaud. Mais crois-moi, dans l'amour il faut savoir doser. En face de toi, je ne sais pas comment tout exposer. Je te vois à deux doigts d'exploser. Pourquoi on n'arrive plus à se causer? Dis-moi. Hey! En tout cas, nous on reste connectés avec Tiyout et Jah West. Et maintenant, place au clip.